viens de très loin pour le chocolat. Merci, c'est gentil. Tiens, je ne vous attendais plus. J'ai eu une panne de voiture, j'ai dû prendre le bus. Enfin, voilà, je suis là. Ah, vous avez plus d'une heure et demie de retard. Non, non, moi, je ne prends pas le risque de vous embaucher. Qu'est-ce que tu fous là? Je viens de faire un petit coucou. Et pourquoi t'es maquillée comme une pute? Oh, elle est dans la gingra, faut pas... Enfin, la gingra, elle a 22 ans, hein, c'est plus une ado. Mmh. Arrête, tu vas mettre du rouge. Ah ben voilà, je peux plus l'embrasser. Non, mais le problème, c'est son mec. Je pense qu'elle veut finir par le jeter. Namasté. Justin et moi, on a décidé de se marier. Je préfère pas que tu viennes à mon mariage. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'argent, c'est ça? J'ai pas envie que tu me fasses honte. Mais dans ce cas-là, tu m'appelles plus maman, d'accord? C'était quoi, déjà, ton truc de multipropriété? Tu dois partir vivre au stand. Mais pourquoi pas? Et moi, ce que j'attends, enfin, nous, ce que nous attendons, c'est que vous parveniez à rameuter du monde. J'adore la musique brésilienne. J'en ai fait des pays pourtant, hein, mais celui-là, il m'a toujours fasciné. Vous voulez venir à notre table? Si ça te dérange pas, je préférerais qu'on aille tout de suite baiser. Ah non, ça me dérange pas, non. Je vous présente Kurt. Moi, c'est Sophie. Ben, moi, c'est Babou. Mais qu'est-ce qui t'épate chez eux? C'est ça que je comprends pas. Parce qu'avec eux, je me marre. Si j'ai atterri dans ce trou perdu, c'est pour te prouver que j'avais un métier et que je pouvais le garder. Vous n'arrivez pas à vous parler, c'est tout. Elle attend que ça de te voir, ta fille. Mon rêve, c'était de passer une journée seule avec toi. Mais ça, pour toi, c'est pas assez fun. Ça manque de piquant. De toute façon, tu m'as déjà cataloguée. Parce que je suis une ratée et qu'on n'a rien à partager. C'est sympa, cet âge-là. C'est après qu'il vous chie sur la gueule.